Bonjour à tous, c'est Jex et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de l'histoire de Naruto Ultimate Shippuden Ninja Storm 4. C'est parti! Donc dans le premier épisode on a fait le prologue et on a vu comment tout avait commencé. Et là on va voir la suite. Alors la genèse. Ok, donc ça c'est les résultats que j'ai eu au premier let's play. On va confirmer. Et je pense que c'est parti là.時は進む。されども戦いの連鎖は終わることなく、なおも熾烈極まる忍界で、二つの影が道を歩む。果たして彼らが目にするもの、そして導き出される新たな道とは、辞書、総決の章。 C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose cette fois-ci? Ok, alors nouveau chapitre déverrouillé, vous pouvez maintenant jouer à les deux guerriers inégalés. Ok, c'est parti, on va tester ça, nouvel épisode déverrouillé, vous pouvez maintenant jouer à derrière le masque. Ok, ok, donc on peut choisir les chapitres en fait. Donc attendez, je vais prendre... deux guerriers inégalés... Ah, on peut prendre le point de vue de Naruto et le point de vue de Sasuke. On va d'abord prendre le point de vue de Naruto et après le point de vue de Sasuke. Allez, c'est parti. En tout cas, personnellement, la mise en scène est incroyable.渦巻きナルトの姿があった。かつて里を襲った美獣キュービの妖光をその身に宿すも、己に備わる強き意志を持って成長の道をした走る。しかし忍界は混迷を迎えていた。暁を名乗る組織が、 キュービを含む9体の美獣を回収せんがため、忍界に対し宣戦を布告。大戦の炎が放たれた。ひとたび放たれし炎は、とどまることなく燃え盛る。されど、渦巻きナルトはただまっすぐ、新しき絆とともに、 先だけを見据え、叫びたける。叫びは広がり、まるで呼応するように、あまたの仲間たちは大地を蹴った。ナルト、戦い続ける彼がために、 この世界にもはや意味はない。ここで下道魔族と、まさか奴で始めるつもりか。ここからは狂乱の時間だ。天地避ける方向は終わりを告げる号砲となりて、忍界をかけた戦いはまさに最終局面を迎えんとしていた。 Ok, donc on est en pleine guerre de Konoha. Ok, donc on est en pleine guerre de Konoha. 俺には父ちゃんがいた、母ちゃんがいた、エロ仙人がいた。ガキは英雄に憧れるもんだ。だから俺は迷わねえで突っ走れる。俺はどの先代も超える火影になる。それが俺の夢だ、バカロー。Et c'est parti, on va lui foutre la pâtée.
Allez, Naruto Uzumaki. Alors, ouais, ok, conditions de combat, on s'en fout. C'est parti, on veut de l'action. Oh là là, je sens qu'il va me faire, va me déwaner. Allez, un petit jutsu, c'est parti. Vas-y, Kyubi. Rah. Putain. Incroyable la mise en scène de dingue. J'adore. Franchement, Naruto, dans cette forme, il cartonne. Y'a rien à dire. Allez, Shuriken, c'est parti. Allez, tiens, ramasse. Putain, la mise en scène des combats est fantastique. C'est même mieux que je pense que le dernier Dragon Ball Z, ça c'est clair et net. Hein. Franchement, Cyber Connect 2 maîtrise un max. Hein. C'est les meilleurs pour mettre en scène les jeux de combat de manga, c'est les meilleurs. Il n'y a rien à dire, c'est les meilleurs. Bon, je suis en train de foutre la pâtée à Toby. Merde. Bon, là j'ai parlé un peu trop vite. Ok, donc j'ai une aide qui arrive. Putain, comme ça enchaîne. Voilà. On a réussi à oxyre Toby. Mais ce n'est pas fini. まだだ。微重だな。少し遅い。無駄なことを。バカな。もう逃げらんねえぞ。そうか。さっきの影分身は俺の攻撃じゃなく、奴の神で消したのか。かかしめ、俺との空間がつながっていることに気づいて。 Et voici Toby qui a eu l'attaque de plein fouet de Naruto. On va voir qui il est. Enfin. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la série, bon, ce sera un spoil, hein, ça c'est clair. Bah oui, c'était logique, hein, que c'était le pote de Kakashi. Hein. C'était logique, hein. En tout cas, il est devenu ultra badass. Hein. Donc voilà, derrière les masques fins. On va faire le point de vue de Sasuke aussi. Hein. Voilà, ah, j'aurais pu avoir S, mais bon, ah, c'est déjà vraiment pas mal. Vu que c'est la deuxième fois que je touche au jeu, donc je ne suis pas encore habitué à toutes les commandes. Donc voilà, alors maintenant, quel scénario choisir? Donc on va d'abord, ou bien on continue celui de Naruto. Et oui, on va faire ça, on va continuer celui de Naruto. Et dans un prochain let's play, je ferai en fait le let's play du... Mais vu du côté de Sasuke. On va faire ça comme ça, ce sera plus facile. Et ce sera plus attrayant aussi. En tout cas, c'est vraiment très bien mis en scène. Hein. Franchement, c'est du lourd. Hein. Pour un jeu de 2016... Il y a déjà 4 ans, c'est incroyable. Hein. だが信じたくはなかった。俺の予想は外れていてほしかった。なぜなら、お前はあの時英雄になったはずだろう。時は第三次忍界大戦。老若男女構わず忍びと呼ばれる者たちが
戦場へとかけてゆく時代。傷つけ、傷つき、奪い、奪われ。どこまでも続く炎のごとき憎しみの連鎖。その中に巣立ち間もない三人の若者たちがいた。彼らもまた戦火をめぐり命を懸ける忍びであった。忍びであった。だからなんで簡単に遅刻するんだ。忍びの掟にもあるでしょ。時間は厳守すべしって。だいたい一人前の忍びなら決まりやルールをちゃんと守るのが当たり前でしょうよ。決まりだルールだ。お前はそればっかりだな。少しは慈悲の心ってもんがないのかよ。ルールや掟を破るやつは忍者としてクズ呼ばわりされる。それくらいお前も知ってんでしょ。まあまあまあまあ、二人ともやめなよ。同じチームなんだからさ。リンは甘いんだよ、オビトに。今日は俺にとっても大切な日なんだからさ。そうだよね。あ、なんだっけ。なんだっけ。じゃ、その話をしながら目的地に進もうか。そんなわけで、今日からカカシは俺と同じ常任に就任したんだよね。そこで任務は効率を考えて、俺とカカシ班で分かれてやることにするから。何せ木の葉も今や未曾有の戦力不足だからね。っていうかオビト、この前ちゃんと話したでしょ。カカシにプレゼントあげようって。とっくに私は医療パックをあげたし、先生だって。うん、この特注区内をあげたよ。俺とお揃いのものだけど。それでオビトは？悪い、忘れてた。まあ、お前のプレゼントなんて期待してなかったけど、どうせろくなもんじゃないし、役に立たないもんもらっても荷物になる。ああ、もう喧嘩しない。さて、今回の任務について説明をするよ。まず、土の国が草隠れの里を侵略侵攻してきてることは知ってるね。はい、かなりの進撃速度で火の国への到達も時間の問題だって。だから迅速に彼らの動きを止める必要がある。そこで今回の任務は、彼らの懐に潜入し、物資補給に使われているカンナビ橋という橋を破壊すること。敵の支援機能を分断するってことですね。先生は？俺は前線で直接敵を叩く。君たちの陽動にもなるからね。とりあえず今日はカカシが隊長ね。国境までは一緒に同行するけど、そこから分かれてミッションスタートだよ。はい。気づかれたか。大した奴らだ。気をつけなね、みんな。敵は20はいる。おそらく影分身の術だけどね。俺が突っ込みます。援護してください。焦っちゃダメだカカシ。やっぱり君がバックアップしなさい。先生、あなたが言ったんです。今日は俺が隊長だと。チームは隊長命令に従うのがルールでしょ。先生、俺たちはカカシのフォローだよ。はい。Ok, donc vous voyez, en fait, on a chaque fois des objectifs au début. Dans ce type de combat, vous rencontrez un grand nombre d'ennemis. Les contrôles de base, comme les déplacements et les attaques et ninjutsu, sont les mêmes qu'en mode combat libre. Ok. Bah, c'est parti, hein. Donc, on a la carte Kakashi cette fois-ci. Ah, c'est génial. Donc, on va se battre contre un grand nombre d'ennemis, c'est vraiment cool. Putain, le chakra, quoi, c'est génial. Bon, bien sûr que c'est moins impressionnant que Naruto et tout ça, hein, mais c'est vraiment cool, quoi. Au moins, ça nous montre les bases du combat, ça c'est vraiment sympa. Et je peux en apprendre un peu plus, quoi. Ce qui est cool, c'est qu'on apprend un peu plus sur la jeunesse de Kakashi et d'Obito et tout ça, quoi. Ainsi que du père de Naruto. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Donc c'est lui qui crée les clones, en fait. Ok, il faut que je le trouve et que je le bute. Yep.
Ouais, c'est lui. Hop. Donc c'est celui en bleu qu'il faut viser. Hein. Voilà, c'est lui. C'est lui qui crée les clones en fait. Hein. C'est ceux en bleu qu'il faut viser. Ok, voilà. Parfait. J'en ai déjà buté un. Il pourra plus créer des clones très longtemps. Merde. Comment ça se fait qu'il y a encore énormément de clones? Je comprends pas. Merde, il me laisse pas le temps de recharger mon chakra, hein, bordel. Ah, le v'là! Faut que je le bute absolument. Merde! Je me suis fait avoir. Ah, zut de flûte. Non, dit Joom. Si je l'avais eu, tous les clones étaient morts. Donc on a un continu à chaque fois. Vu que c'est en mode facile, on va pas se prendre la tête, on fait le mode solo. Donc, nom de Dieu. J'adore, franchement, quand il attaque les 1000 oiseaux, c'est vraiment une déglingue. Bien qu'avec Sasuke, c'est quand même plus impressionnant, hein, c'est sûr. Merde, ah oui, j'ai compris. Voilà. Voilà, ok. Donc maintenant, je contrôle Minamoto. Ah oui, on fait comme ça pour changer de perso, en fait. Ah, c'est génial, ça. Battre le vrai Mario. Voilà, donc voilà le vrai ennemi. On va prendre Minamoto. Non, pas Obito. Voilà, Minato, voilà. Tiens, Rasengan, hop, c'est bon. Allez, encore un multiclonage, bordel de merde. Nom de Dieu. En fait, il faut essayer de pas être dans le rouge pour pas se prendre la charge de chakra que notre ennemi nous envoie. Ah putain, j'arrive pas à le locker, ça m'énerve. Il devrait y avoir un système de lock. Hein. Et je vais pas me concentrer sur les clones, je vais me concentrer sur le vrai. Bordel de merde. Allez, tiens, les 1000 oiseaux. Hop, normalement il est bon. Voilà, ok. Donc j'ai pu l'esquiver, c'est bon. Merde! Où est-ce qu'ils sont, ces bâtards? Ah, le v'là. Ok, donc il est mort. Ouh, résultat du combat, c'est pas très bon. Hein. C'est pas terrible, terrible. Hein. ひとまずここから交代して陣を取ろう。大丈夫です。何が大丈夫だ。お前が勝手に先生の言ってることも聞かず無茶するからだろ。臆病風に吹かれて何の役にも立たなかったお前なんかに言われたくないんだよ。別にそんなんじゃねえよ。今回はあれだ。ちょっと腹が痛かっただけだ。次はちゃんとやってやら。
口を開けば言い訳ばかりだね、お前は。いい加減にしなさい、二人とも。君たちはこれから一丸となって任務を完遂しなくてはならない。でも今の君たちはバラバラのまま。カカシ、確かにルールや掟は大切だが、それだけが全てじゃないよ。教えたろ。状況に応じて臨機応変に対処しなきゃならない時もある。オビト、君は忍びとしての覚悟ができていない。心が弱いままだ。だから敵を前に恐怖心が先行してしまう。俺は君たちを信頼している。君たちだけで任務を成功させることができると。けど君たちが互いに協力できず、チームとして機能しなければ任務は失敗する。別れる前に言っておくよ、忍びにとって何より大切なのはチームワークだよ。いいね。胸中は渦巻いていた。正しきは何なのか、まだはっきりとは見えず、それでも出口の見えぬ戦乱を前へ前へ。少年たちは懸命に走っていた。Et voici la fin de la première partie des jeunes au front. Voilà, donc on va se le quitter sur ce, donc sur ce succès. Bon, même si c'est pas extrêmement bon, je vais dire, j'ai quand même réussi à passer avec un continu. Donc c'est vraiment pas très bon. C'est du lourd, hein, franchement. Ouais, les Ultimate Ninja Storm seront connus pour être les meilleures conversions des Naruto, ça c'est clair et net. Donc si vous avez aimé, likez, partagez, commentez, il n'y a aucun souci. Et si vous avez kiffé et que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Ça aiderait grandement la chaîne et ça me ferait vachement plaisir. Allez, à la prochaine pour un nouveau Let's Play. Salut, salut !